Oh, mes petites jumelles. Mes jumelles magiques. Oh, c'est très réussi cette année. Je suis très content. Très, très beau Noël. Pirouette, tu vas voir. Regarde un peu ma dernière création. Quand je lui enlève... Qui ? Oh, il pleure, il faut le consoler, Père Noël. Oui, oui, regarde. Hop, tu le mets comme ça. Oh, il rigole. Il va bientôt être prêt pour la grande distribution de Noël. En attendant minuit, il faut le cacher. Dans quel repère, Père Noël ? Le orange ou le bleu ? Ah, celui-là ! Exclusivement dans les repères orange ! Car c'est une création exceptionnelle ! Celui-là s'est endormi. Ce serait dommage de le réveiller. C'est comme un vrai bébé. Quand il dort, tu entends son souffle. Et là, il revient là. Et voilà, regarde. Là, il ouvre ses yeux, il ouvre sa bouche, il bâille quand il se réveille. Quand tu le déposes comme ça, regarde-le. Il rampe. Il est adorable. Oh oui, et puis quand il est fatigué, ben, il s'endort. Alors, celui-là, mon bébé Toto, dans le repère orange. Voilà mes enfants. Et maintenant, tu vas voir. Oh, celui-là, tiens, on va prendre celui-là. On va l'appeler bébé chatouille. Parce qu'il rigole quand on lui chatouille le ventre. Pirouette, apporte-moi le landau à suspension. Sitôt dit, sitôt fait. Oui, tu seras très confortable grâce aux suspensions de ce landau. Allez, dans les deux repères, l'orange et le bleu. Regarde. Pour lui, vous n'avez pas de landau, Père Noël, pour le voyage ? Ah, pour lui, j'ai un landau transformable. Et ce landau est transformable en poussette. Bien entendu, en poussette à trois positions. Et cette poussette va se transformer en... Hop ! En transat. Regarde ! J'ai même prévu les courroies pour la sécurité. Ah, j'aime pas le bonheur, j'aime pas les cadeaux. Ah, et par-dessus tout, ah, je déteste le Père Noël. Ah, le Père Noël, je l'aime pas le Père Noël. Oh non. Moi, personne ne m'aime. Il y en a que pour lui. Mais cette année, les enfants seront privés de cadeaux. Ah, rira bien. Qui rira le dernier. Il ne me reste plus maintenant qu'à prendre les pierres précieuses pour commencer la distribution. Elles sont dans les jouets. Viens là, toi. Oh, les pierres précieuses. Laissez, je vais aller les chercher. Où est-ce que vous les avez cachées? Non. Pirouette, tu en sais déjà trop. D'abord, vite, Pirouette. Quelle mémoire. Comment pourrait-on oublier un être aussi maléfique que vous? Je le prends pour un compliment. Et quel coup manigancez-vous encore? Je viens juste vous rendre une petite visite de courtoisie. Et pour vous dire aussi que la distribution des cadeaux de Noël, cette année, n'aurait pas lieu. Trop tard! Tout est prêt! Ah, c'est ce que vous croyez! Cette année, pas de cadeaux pour les enfants. Jamais! Jamais je ne vous laisserai faire une chose pareille! Ah bon? Et comment voulez-vous faire une distribution sans le Père Noël? Hein? Voulez-vous dire? Ah, ce que je veux dire, c'est une petite surprise du professeur Nabor, Père Noëlus, Disparitus! Qu'est-ce que vous avez fait, Nabor? Vous m'avez mis en prison! Dans les bas-fonds de la Terre, ils se retrouveront! Mais qu'est-ce que vous avez fait des jouets? Où sont-ils? Mais pour les enfants, Nabor! Allez, hop, à la maison! Dans
1h29, le Père Noël va commencer sa distribution. J'espère qu'il commencera par chez nous. Jamais je me sentirai là. Jamais je ne sortirai là. Il faut que je fasse quelque chose. Oui, c'est ça. Concentré. Allez. Concentre-toi. Oh non, la télé ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Père Noël. Je suis retenu prisonnier. Je lance un SOS. Si quelqu'un m'entend, il faut absolument qu'il m'aide à m'échapper. Sinon, la distribution des jouets n'aura pas lieu. Père Noël, je vous interdis de contacter qui que ce soit. Où est-ce qu'il est passé? Je suis le professeur Nabor, le plus grand génie du siècle. C'est vous qui avez emprisonné le Père Noël? Elle est futée, cette petite. Sache, mon enfant, que j'ai tous les droits. Et je vais commencer par vous enfermer dans mon labyrinthe démoniaque. Personne n'en est jamais sorti. Ah ! Rendez-vous dans les bas-fonds de la terre. J'ai peur. Il ne faut pas avoir peur. Tant qu'on reste tous ensemble, il ne faut pas avoir peur. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une étoile filante. Bonjour les enfants, je m'appelle Pirouette et je suis l'assistante du Père Noël. Mais qui vous a envoyé dans ce labyrinthe? Le méchant Nabor. Est-ce que vous pouvez nous aider à sortir d'ici? Non, malheureusement, j'ai perdu presque tous mes pouvoirs. Je peux uniquement apparaître de temps en temps. Vous êtes les seuls à pouvoir aider le Père Noël. Lui aussi a perdu presque tous ses pouvoirs. Il peut uniquement communiquer avec vous et avec ses jouets. Et comment aider le Père Noël? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut retrouver les pierres précieuses pour commencer la grande distribution de Noël. Et c'est à vous de les retrouver. Mais où sont les pierres précieuses? Le Père Noël les a cachées dans les jouets qui sont dispersés un peu partout dans le labyrinthe. Oh, attendez, il y a encore une chose. Vous avez une heure pour retrouver les pierres, sinon Noël n'aura pas lieu et nous serons tous retenus prisonniers ici. Tenez, voilà le sac du Père Noël. Dans ce sac, vous trouverez plein d'accessoires qui pourront vous aider. Une corde, des jumelles, un détecteur de jouets, le catalogue officiel du Père Noël. Enfin bon, plein de choses. Oh, attendez! Wow, comme ça, vous serez mieux. Merci, Père Noël. Bonne chance, les enfants. Où allez-vous passer? Je sais pas. Je suis sûre que dans ce sac, il y a plein de choses pour nous aider. Courage, les enfants! Je ne veux pas qu'ils soient rassurés. Je veux qu'ils aient peur. Très, très peur. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est super grand ici. Ouais, mais comment on va faire pour trouver les jouets? On ne sait même pas quel jouet chercher. Oh, regardez celui-là. Wow. Il est beau. C'est Lily qui va être contente. C'est normal, c'est un jeu pour les petits. Il y a plein de découvertes à faire dans ce petit village. Allô? Il y a une voiture et une piste inclinée. Je croyais que c'était un jeu pour les bébés. Arrêtez de vous chamailler et essayez de trouver des pierres précieuses. On n'a qu'à essayer les jumelles, ça va peut-être nous aider. Bon, inutile de continuer de chercher. Vous venez? Est-ce que je peux rester ici pour jouer? Jérémy, tu la surveilles, d'accord? Oh non, j'aurais bien voulu regarder les autres jouer. Oui, mais comme ça, elle se sentira en sécurité avec toi, d'accord? Bon, d'accord. Sors. Merci. J'ai trouvé un autre jouet pour Lily. Vous venez? Lily, tu es trop grande pour qu'on te pousse. On va enlever le plancher. On va aussi enlever la canne. Tiens, regardez, il y a un nouveau jouet là-bas.
Tu trouves pas qu'il te ressemble? Très drôle. C'est comme ça. Il est là. Et ça, tu trouves pas qu'elle te ressemble? Bonjour. À tout de suite, dis-moi. Oh, regardez un coffret cadeau là-bas. T'as vu tous les jouets? Wow. Tout ce qu'il y a. Waouh, t'as vu le super cadeau? Il est vachement gros. Bon, bah, il n'y a pas de pierre précieuse, hein. Mmh. On va aller voir un peu plus loin, d'accord? Ok. Ah! Non, il faut que j'arrête ça tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Vous verrez bien. Mais d'où vient cette fumée? J'en sais rien! Ah, je vois plus rien! Moi non plus! On voit plus le chemin, je vais prendre la lampe! Regarde, le chemin, il est là-bas. On y va. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je compte sur eux. Ils me sortiront de là. N'y comptez pas. Ah, j'ai peur. Bon, viens, on va aller les rejoindre. Tu sais comment y aller? Bien sûr, tu me prends pour qui? Wow, des nouveaux jouets. Oh, Mikami, Dingo. Oh, regarde, on leur tape sur les fesses et ils avancent. C'est vachement drôle, hein. Et en plus, ils sont mignons. Oh, regarde, il y a un nouveau jouet là-bas. On y va? Comment on y joue? Je crois qu'il faut aider Nounours à chercher Pimprenelle, Oscar et Nicolas. Vas-y, choisis une carte. C'est celle-là. Moi, je dis qu'elle est... ici. Toi, tu dis vrai. Moi, je dis faux. Vas-y, retourne la carte. Ah, c'est faux. Ma potion magique et démoniaque est bientôt prête. Je vais pouvoir m'amuser. Ils sont peut-être passés par là? Tu crois pas? Oh, c'est bouché, il y a un rocher. Et Volantis, Santis. Ah oh, Jérémy. Et de deux. Mais où ils sont? Par là. Non, par là. Par où on va? Il faut absolument que je trouve une solution. Concentrons-nous. C'est bon, la flamme. Mais qu'est-ce que c'est que cette flamme? Je n'avais pas prévu ça dans mon potion magique. Ne vous inquiétez pas les enfants, je vais vous aider. Ouais, ça va Laura? Oui, merci Pirouette. Allez les enfants, un peu de courage. Allez, on y va. Vous avez vu la belle forme bizarre? Qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur les enfants, je vais allumer. Wow! Avec les peluches, on craint rien. Ok, mais vous restez ici, d'accord? D'accord. Viens, Lily, viens. Oh, c'est chouette ici, hein. Où est-ce qu'on est? Je sais pas, c'est étrange. Ouais. Mais c'est quoi toute cette fumée? Ah, j'en sais rien. Je vais mettre la main dedans.
Maman, t'es fou. Mais si, regarde, c'est creux. Regarde la lumière. C'est quoi? Je sais pas. C'est étrange. La fumée... La fumée s'arrête. Oh, wow, tous les jouets. On y va. Va vite. Oh, des Lego. Wow, avec ça, on peut construire une maison. Des voitures. Et puis, on peut même construire un village. C'est super chouette, hein? C'est mis de... à Lego. Tiens, regarde, ça tourne. J'ai vu les jouets. Peut-être qu'il y a des pierres précieuses dedans. Tu vois quelque chose? Non, il n'y a pas de pierres précieuses dans ce baril. C'est dommage. Oh, regardez, un jardin d'activité là-bas. Oh, il est super chouette. Oui. Il y a plein de choses. Il y a un tunnel... Un oiseau dans son nid. J'ai un petit oiseau dans son nid. Tiens, regarde, il y a des radis, une carotte. Une carotte. Il y a des lettres. Il est pas mal qui m'a écrit. Et une manette. Oh, bravo, Lily! Tu as trouvé une pierre précieuse! Une émeraude! C'est super beau! Génial! Waouh! Bravo, Lily! C'est bien! Cette pierre m'intrigue. Je vais aller voir ça d'un peu plus près. Hein? Je l'ai dit qu'il va aller. Tiens, regarde, il y a encore un nouveau jouet là-bas. On y va? Oui. Regarde, on la retourne et il y a une base de construction. Il y a un livre d'éveil. Oh, il est chouette. En plus, il fait du bruit. Tiens, je viens de lire dans le catalogue que la base de construction, eh ben, elle s'enlève et après, elle se remplace par une chaise pour les bébés. C'est super, non? On va mettre Lily dedans, d'accord? Comme ça, au moins, elle fera pas de bêtises. Regarde, tu peux tourner, Lily. Vous êtes beau comme ça. Quoi? Je ne vous plais pas? Oh, si, si, hein? Si, bien sûr. Quelle voix on prend? Celle-là ou celle-là? Bah, j'en sais rien. Bonjour, les enfants. Oh, qui êtes-vous? Je suis la fée Morgane. La fameuse fée Morgane de Merlin l'Enchanteur? C'est moi. Et comment êtes-vous arrivée ici? Nabor m'a envoyé il y a bien longtemps. Et je connais ce labyrinthe. Dans les moindres recoins. Ça tombe bien. On est perdu. Vous allez nous aider. Oui, bien sûr, venez. Je vais vous conduire jusqu'au Père Noël. Venez, 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 venez. Je trouve pas qu'elle est étrange. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve aussi. En plus, elle est laide. Et venez. Oh, dommage que Jérémy soit pas là, sinon il serait bien amusé. Regarde, ça s'appelle mon premier garage. Avec cette voiture, quand tu la montes avec l'ascenseur, elle est éjectable tout de suite, regarde. Et ça, ça l'empêche d'aller plus loin. Voilà. C'est passionnant. Bah oui, il y a encore le lavage, il y a l'essence et tout. Oh, regarde, il y a un autre jouet là-bas. Oh non, non. Regarde, un tableau. Oh, chouette. Vas-y, écris ce que tu veux. On peut aussi coller des lettres. Ils vont jouer à l'école maintenant, ils vont jouer à l'école. Pourquoi? Oh, qu'est-ce regarde, que j'ai fait? Oh, regarde, on fait un tableau avec les craies. Ouais. Fais un petit dessin, Lily. Vas-y. C'est bien, Lily. C'est très bien. C'est trop long, tout ça, pour moi, c'est beaucoup trop long. Hé, les enfants, venez, t'en as encore un là-bas. Oh hein? Et en plus, moi, je peux dessiner. Les filles, si on joue au théâtre, bonne idée. C'est toi qui fais Nabor, moi je fais pirouette. Jean-Élie, qui es-tu toi? Je suis la fée pirouette. Je suis Nabor. Je suis le méchant sorcier. Nabor, on m'a trahi. Tiens, vous avez une drôle de voix, c'est normal.
Tout va bien. Je suis enrouée, enrhumée. Elle est pas belle. Les enfants. Et encore plus. Oh, regarde, le chantier. Le chantier, c'est pour les garçons. Il va falloir que je trouve quelque chose. Le soir, les camions, ils vont dedans. Les lourds chargements, et on les met là. Voilà. Et quand il y a des méchants, et ben avec la bombe, hop. Et hop, elle arrive direct dans le camion. Ça y est, j'ai trouvé, je vais les enfermer. Lily, viens avec moi. Viens avec moi. Oui, viens voir. Viens. Et ben les enfants, ils vont pas avoir de Noël. Pas de Noël pour les enfants. Et hop. Et voilà, je vous ai bien eu. Ah, les enfants, vous êtes enfermés maintenant. Mais vous nous avez menti, vous êtes Nabor. Non, c'est vraiment fichu, tout fichu. La pauvre Lily. Regarde le camion. Si on suit, on aura peut-être une chance de sortir. Faudrait enlever les pierres. Voilà. J'y vais. Vas-y. C'est de la terre. Viens, ma Lily. J'aime pas les enfants. Tu vas dormir, ma chérie. Oui, oui, oui. Voilà. Tu vas faire un grand dodo. Jérémy, Laura, où Alexandre. Êtes-vous Alexandre. Ah, Jérémy, Laura. Vous pouvez pas savoir ce qui nous est arrivé. Quoi? Lily a été kidnappée. Par Nabor. Vous en faites pas pour Lily. Elle est avec le Père Noël. Oh, ça me rassure. On a oublié de vous dire. Ouais. On a trouvé un ordi baby. Marche. Bonjour. Appuie sur la case rouge. Choisis un point. D'accord. Égal. Attends. Baby. Ouais. Bien. Un point. Mais moi, j'aime pas les enfants. Ah, n'aie pas peur, mon petit. Je vais te protéger. Qu'est-ce que c'est beau! Vous avez vu ça? On dirait une oasis. Tiens, regardez les filles, il y a des jouets pour vous. Oh, Barbie! Bon, les filles, on va vous laisser et puis on va continuer un peu plus loin. D'accord. Qu'est-ce qu'elle est belle! Vous avez enfin trouvé Barbie, reine des fleurs? Regardez, quand on ouvre sa robe, il y a plein de fleurs. Oh, regardez! La petite fleur, on dirait Pirouette! Enfin, moi, je suis plus mignonne quand même. Et en plus, elle lance de la poussière d'étoiles. Et moi, ça fait de la poussière de lumière. Eh ben, je vous laisse avec vos jouets. Moi, je vais essayer d'en trouver d'autres. Oh, regarde la maison derrière. Oh, moi, j'amène la Barbie avec moi. Je vais regarder s'il y a des pierres précieuses. La salle de bain se transforme en chambre à coucher. Ah oui, je vais dormir. Est-ce que tu vois la pierre précieuse? Non, j'en vois aucune. Ah, regarde la télé. Moi, je vais dans le jardin. Oh, regarde, Laura, le maxi van de Barbie là-bas. Viens, on y va. C'est chouette, il y a plein d'accessoires. Un réfrigérateur. Le lit se déplie. Regarde les plaques. Oh, il s'allume. Le four aussi. Ah, c'est le qui fait semblant de tomber. Oh, regarde avec quoi il se lève. Bon, allez, on range et on va aller plus loin. Oh, Barbie et Ginger. Oh, le chien, il est mignon. Le Père Noël dit que Ginger tire Barbie sur son skateboard. Oh, t'as vu le mignon, il y a la queue qui bouge. Je me demandais bien où est-ce qu'il sort comme ça. Chez Barbie, vétérinaire. Et ben moi, quand je serai grande, je serai vétérinaire comme Barbie. C'est chouette comme jeu. Moi, j'aimerais bien l'avoir chez moi.
Moi aussi. Amusez-vous. Oui, amusez-vous. Oh, c'est bien. Je sens qu'ils vont passer à côté de la pierre précieuse sans la voir. Oh. Allons, les enfants, regardez. Waouh, on se croirait à Disneyland Paris. C'est merveilleux. On va peut-être voir la vraie Cendrillon. T'as vu, il y a un passage secret. Et regarde, l'horloge tourne. Les personnages et les carrosses sont aussi petits que pirouettes. Appuie sur le bouton et ça s'illumine. On peut le refermer complètement. Comment tu fais? Ah ouais. T'as trouvé une pierre précieuse? Oh, peut-être là. Oh, regarde, c'est la maison familiale Lego Scala. Oh, regarde, je peux déplacer l'escalier. En plus, il y a plein de personnages. Le bébé, la maman et le papa. Oh, vite, venez voir les filles. Oh, c'est les garçons. Waouh, un mini ordinateur. Il y a le noir pour les garçons et le rose pour les filles. Vous avez vu, on peut faire son journal intime, son horoscope. Et en plus, c'est une carte d'infinité. Oh, elle est chouette. Regarde, moi aussi, je l'ai. Ouais. Ah ouais. Appuie sur un bouton pour voir si le Père Noël il nous a pas laissé un message. Oh, bien joué. Ouais. Il y a un message. Regardez dans la tronche du vétérinaire. J'y vais. Tu vois quelque chose? Je l'ai trouvé. Ouais, ouais. Super, Laura. Bravo. Bravo, oh, les enfants. Non, bravo. Non, non. Vous les avez encore aidés, hein? Mais ça va mal se terminer, je vous le dis. Ça va mal se terminer. Oh, vite, vite! On a du boulot! Vite, faut y aller, faut y aller! On a assez de marché. Ce soir, c'est Noël. Il y a plein de jouets, on peut même pas en profiter. T'inquiète pas, j'ai un plan. Ah, j'ai très mal aux pieds, je peux plus marcher. Bon, allez, viens, on va te soigner. Allez, formidable. Venez, les filles. Souffrez, 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 petit malappris. Moi, ça me laisse du temps pour préparer une nouvelle potion démoniaque. Oh. Il nous faudra un médecin. Oh, peut-être que ça, ça va faire l'affaire. Oh, une poussette médicale. Oh. Super, il y a tout ce qu'il faut. On va voir ta température, les côtes, les os des bras. On va essayer de te soigner, hein. Je n'entends pas son cœur. Bon, bah, si t'as tellement mal, hein, on va te faire une bonne piqûre. Hein. Ah, et bah, tout compris, je n'ai plus mal. C'est malin, vous l'avez fait exprès. On voulait jouer. Ouais, mais à cause de ça, l'heure, elle tourne. Bon, allez, on y va. Avec ce nouveau maléfice, ils ne m'embêteront plus. Non, regardez, regardez. Tempétus n'est juste. Mais c'est quoi ça? Heureusement. Ah, quelle horreur! Ah, attends, c'est un faux. Ah, c'est un squelette. Allez, venez les filles, regardez pas. Oh, zut, zut, zut. Je n'ai pas réussi à les piéger avec ma tempête de neige. Petit malotru. Ouais, t'es joué pour nous. Je suis sûre que vous avez très faim. Oh oui. Alors, moi je vais préparer la table. Madame. Et elle le manger. À mon avis, ce sera un festin. On va bien se régaler. On n'a pas de viande aujourd'hui. Bonne. Tu veux du jambon? S'il te plaît. Ça doit être bon. Ça a l'air délicieux. Vous voulez de l'eau? Merci, madame. Tu fais la vaisselle maintenant, Jérémy? Oh non, je n'aime pas la faire. On a la vaisselle dans cette cuisine. Oh, bah cool. Oh, regarde, il y a un autre jouet là-bas. Je vais vous préparer déjà de l'eau. Merci. Regarde, il y a une poubelle. Madame, vous avez l'heure? Oui, il est 10h48. Merci. Et là, on peut mettre les frites. Un petit glaçon. Oh, regarde, Laura. Ça, c'est rouge et là, c'est noir. Oh, il y a le four, madame, là. Fais, s'il vous plaît. À la vaisselle. J'étais
chercher ma casquette. Bon, c'est pas grave. Il l'a pris à côté. Cher ami. Merci les filles. Merci. Je vais repasser un petit peu. Elle est presque prête, la casquette. Bon, 2 minutes, attendez. D'accord. Ça y est, elle est prête. Vous pouvez venir chercher votre casquette, elle est prête. Bon, je vais aller la repasser. Oh, c'est drôle, ma mère, elle a le même bloc. Puis en plus, elle repasse bien avec. Bon, c'est bon. Tu veux que je mette encore un peu de produit? Ah oui, un petit peu là, ici. Merci. Et regarde, il y a un bouton, regarde. T'as vu? Il joue aux jeux de filles. Les garçons, vous aimez bien les jeux de filles, oh, hein? C'est drôle. Et puis d'abord, le repassage, c'est même pour les hommes, hein. Ça m'énerve, ça m'énerve. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah. Wow! On se croirait chez le coiffeur. On a qu'à faire un copier avec les pierres précieuses et le fil qu'il y a dans le sac du Père Noël. Bonne idée. On n'est pas sorti de l'auberge, tu l'as dit. Vous en avez encore pour longtemps? Ouais. Oui, bah vous. Bon, ouais. Arrêtez de râler. Une petite barrette pour faire joli. Je vous ferai bien, vous attachez votre collier et on y va. Oh non! Oh là là! Qu'est-ce que vous manigancez? Regardez. Bon courage, les enfants. Vous entendez ce bruit bizarre? Regardez, ça se rapproche de lui! Mais quoi? Je suis le plus fort! Je suis le plus fort! Je suis le plus fort! C'est moi le plus fort! Et fort, ça rime avec Nabor. Désolé les enfants, mais l'aventure se termine là! Viens par ici les enfants, je suis là! Vite, vite, cachez-vous là! Merci Pirouette! On a vraiment eu chaud! Hein? Quoi? Bravo Pirouette! Tu as réussi, bravo! Oh, elle commence à m'énerver, celle-là, hein? Elle commence à m'énerver, hein? Oh, elle a échappé belle, hein? Oh, regardez, Pirouette! Vous allez pouvoir jouer comme des grandes, les filles. Et surtout, n'oubliez pas d'aller chercher les pierres précieuses, hein? Je compte sur vous. Alexandre, on peut pas aller voir plus loin, s'il te plaît? Mais non! Il faut regarder s'il y a d'autres pierres! Waouh! Si tu veux la baigner, il faut d'abord lui enlever sa culotte. Ah oui. On la change? Allez, oui. Bébé. Les filles, oh. C'est cool, hein? Oh, ouais, très. Oh, il fait 5 kilos. Bon, vous dépêchez, ouais. Un peu. Tu as oublié le petit vanity pour ranger les accessoires. Ah oui, il est là. Oh, le jet, regarde. Oh, il est chouette, on y va. Oh là là, ça me bien. On va lui faire à manger. Bon repas. Ah, je crois que ça chauffe. Oh oui, ça devient rouge. Ah oui. Et aussi dans les lieux de biberon, hein, on vous dira rien. Oh, bah, c'est ce qu'on va faire. Hein. Ça y est, elle a fini de manger. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui fait faire? On enlève la table allongée et ça devient une baignoire. On la fait baigner? Oui. Chaud ou froid? Oh, tiède. Ça c'est bon. Tiède. On la fait dormir? Fais attention. Oh, regardez, il y a un autre jouet là-bas encore pour vous. Oh là 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 là. On y fait un shampoing? D'accord. Hein? Vous voulez pas un coup de main aussi? On la sèche. Bon, les filles, il faudrait y aller maintenant, hein. Déjà? Eh ben tiens, ça c'est la meilleure de l'année. Ah, j'en ai marre de ces jouets, ces jouets, ces jouets. Il va falloir que je m'en débarrasse de ces jouets. Non. Regardez. Ah, disparaît tous. Attendez, bougez plus. Qu'est-ce qui te prend? J'ai entendu quelque chose.
J'ai vraiment peur. Hein. Vous restez bien là-bas, d'accord? Oui, oui, oui. Oui. Oh, venez voir vite, il y a une machine à écrire. C'est chouette. Ouais. Wow. Elle est super. En plus, on dirait une vraie. Ouais. Elle souligne, met en gras et espace les lettres. Oh, regarde, il y a un message. Le professeur Nabor va faire disparaître les jouets. Servez-vous du détecteur de jouets qui se trouve dans le sac. Mais oui, le détecteur de jouets qu'il nous a donné. Faudrait lui répondre, d'accord? Alors, d'accord. Ok. Okay. La machine et je marque. Ok. Ouais. Et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, faut... Oh, regarde la lumière là. Qu'est-ce que c'est? Attendez, restez ici, je vais regarder s'il y a des jouets. Là, ça y est! Oh là là! Tape là! Les enfants vont me le payer cher! Très cher! Bon, les garçons, c'est pas pour vous décevoir, mais nous, on n'aime pas trop ces jouets, donc... Ouais, au revoir, à tout à l'heure. Dépêchez-vous, les enfants! Dépêchez-vous! 3, 2, 1, partez! De toute façon, regarde, on ne peut pas tricher parce qu'il y a un contour. Ce n'est pas aussi pratique que la boule de cristal. Mais c'est quand même pas mal. Alors, voyons voir où ils en sont. T'as vu ce jouet? Ah ouais? C'est un écosystème. C'est trop bien. À mon avis, il a une tête très drôle. Ah ouais. C'est un drôle d'extraterrestre. Regarde, il y a tout ce qu'il faut. Les lasers, on peut les mettre en bas ou en haut. Ça, on peut le lever. Ah, ils vont rien. T'as vu ces super voitures? Oh, moi j'ai la Invader. Elle va en avant, en arrière, sur les côtés. Elle revient. Oh, t'as vu, c'est comme un vrai 4x4 en plus. Ah ouais, moi j'ai la Tiger 4. On peut le jouer dans la nuit parce qu'elle a des phares. Moi, je vais t'en faire voir une comme t'en as jamais vu. Celle-là, elle va à 29 km à l'heure. Super Tiger! T'as vu le super chantier là-bas? Oh là là! La grue, on dirait une vraie. Elle peut aller sur les côtés, de haut, d'en bas. Ça, je peux le faire. Descendre et aussi monter. Wow. C'est chouette, hein? Et puis ça, en plus, on peut l'ouvrir. Donc, tu peux mettre du sable dedans. Ah bah et puis après, tu le fais descendre sur un camion. Vroom, vroom. Blum. Même une barrière, c'est chouette, hein? Regarde, vroom. Vroom, vroom. T'as vu la bétonnière? Ça se tourne. T'as vu ce garage? Un garage électronique! Regarde, la voiture, je vais lui redonner de l'essence. Vas-y, lave-la maintenant. Lavage activé. Regarde, il y a une voiture qui est garée sur le parking. Il y a une piste inclinée. Maintenant, faut réparer. Tu répares la voiture, là? Ouais. Attends, Jérémy, t'as pas tout vu. Regarde, ça, c'est un tout petit appareil qui fait tous les bruits de la voiture. Bip bip. T'as vu le pont comme il est bien? Ouais. Boum, boum, boum. Bah Jérémy, alors c'est quoi cette manette? C'est pour faire monter les voitures. Si je comprends bien, c'est un ascenseur. Ouais. Vas-y, fais la monter. Alexandre, une pure précieuse. Super Jérémy, t'es trop fort. Mais... ouais. Bon, on va voir les deux autres qui sont là-bas, d'accord? Oh là là. Avec tous ces outils, eh ben je peux démonter toute cette voiture. Voilà. Et les phares maintenant. Je vais monter les roues. Voilà. Hé hey, Jérémy, c'est, faudrait peut-être qu'on y aille, hein. T'as vu ça? Ouais. Mon père, il a la même.
c'est des vrais outils, hein. Voilà. Ça, c'est pour faire tout lisse. Ouais, et ben ça aussi, hein, c'est pour faire tout lisse. Ah ouais. Pardon. On remet tout en place. Ouais. Mais ils ont bien avancé, hein. Il va falloir que j'agisse. Les garçons, on arrive. Ah, enfin, vous voilà. Hein. Vous savez pas ce qu'on a trouvé? Une pierre précieuse. C'est pas vrai. Si. Et regardez, ça me semble étrange, là. Ouais. Alors vous restez là. Ouais, d'accord. Vas-y, Jérémy. Que je ne le pensais, oui. Ne sous-estimez pas les enfants. Hein? Jusqu'à présent, ils ont déjoué tous vos tours. Non. Mais tout ça, ça m'a changé maintenant. Oh, regardez, super horreur. Oh, super. C'est cool. En plus, ils sont à ma taille. Essaye de faire des figures. Non, je peux pas. Parce que sinon, je casse mon collier. Oh, regardez le jouet qui est là-bas. On enlève nos rollers, mais on garde nos chaussons. Oh, bah, c'est trop bien, rester moussé un peu. Oui, mais on peut pas. Oh, comment c'est mou. Arrête tout blanc. Oh, question pour un champion. Je vous fais une question. D'accord. C'est un dessin animé. Très, très, très connu. Mets ta main sur ton boîtier. Attention. Je vais gagner. Créé par Victor Hugo. Victor Hugo, aimé du bossu Quasimodo, je suis l'héroïne de Notre-Dame de Paris. Je suis... Esmeralda. Bravo. Un point pour toi. Un point. Mais ça veut peut-être dire que le Père Noël a laissé une pierre précieuse à Esmeralda. T'es pas bête. Regardez. Une super mallette de magicien. Asseyez-vous, je vais vous faire des tours de magie. Alors, voyons. Vous voyez, c'est le 10 de pique. Hein. Alors, je le mets dans mon petit carnet. Abracadabri. Abracadabra. Hop. Oh, bravo. Bon, je fais un nouveau tour. Vous voyez, le dé, il est rouge. Maintenant, il est jaune. Oh, wow. Comme ça. Et voilà, maintenant. Pirouette. Bravo, Jérémy. Maintenant, tu es digne d'utiliser ma baguette de fée. Wow. Regarde, t'as la baguette. La baguette de pirouette. Ouais. Oh, regardez, des nouveaux jouets. Oh, chouette. Oh, wow. C'est facile. Le numéro 1, on colorie en jaune. Et le numéro 2, on colorie en vert. C'est simple. En plus, on peut peindre d'autres tableaux avec des animaux. C'est trop beau. Rapido, rapidette, plouf. Oh, le bossu de Notre-Dame. Esmeralda ne doit pas être très loin. Rapido, rapidette, plouf. Oh, regardez, un message. Les archéologues fouillent et trouvent la pierre. Les archéologues, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors... Avec ce jeu-là, on peut faire des plâtres et des tableaux de Donald. Rapido, rapidette, plouf. Wow. Mais comment tu as fait ça? Je ne le dirai pas. Et je peux faire aussi de la peinture sur vierge. Et abracadabra, plouf. Wow. Et je peux faire aussi de la peinture à numéro. Et aussi un beau petit mat. Plouf. Wow. Ah, cette baguette leur fait vraiment gagner du temps. Hein. Oh, il faut arranger ça. Il faut arranger ça. Il faut que je trouve quelque chose. Il faut que je trouve... Encore un autre jeu. Il est chouette celui-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de décorer de la céramique. C'est pour l'offrir au Père Noël.
Oh non, Alexandre, on ne va pas tout emporter. Prends une photo avec l'appareil. Tiens. Merci. C'est pas un vrai appareil. Quoi? Bah tiens, regarde. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est un appareil qui enregistre tous les jouets. Bah oui. Venez, c'est Hercule, le héros des derniers dessins animés de Walt Disney. Oh, on va faire les 12 travaux d'Hercule à sa place. Mais non, ne t'inquiète pas. Il y a tout ce qu'il faut dans ce coffret. Il y a des moulages, de la peinture, des crayons. Il y a tous les outils nécessaires. Tiens, il y a un autre jouet qui m'intéresse là-bas. J'y vais. Camille, viens voir. Regarde, j'ai trouvé un autre jouet. Celui-là, il est pour les grands. Avec ce four, on peut faire fondre du métal. T'es fou, tu vas te brûler. Mais t'inquiète. Tu prends des billes. Regarde, il y a aussi un moule. Après, tu reprends la plaque, tu la remets. Je peux pas me brûler, parce que la porte, quand c'est chaud, elle s'ouvre pas. Et regarde, maintenant que c'est froid, on va voir. Et voilà, c'est terminé. Oh, c'est génial, tu me le donnes? Ouais, allez, tiens. Merci. Et regarde, moi j'ai pu me faire une bague, un pendentif. Sympa, non? Vous avez vu ce jeu là-bas? Il est super cool. Waouh, il est chouette. Eh, vous avez vu ce galet? Je peux dessiner dessus. T'as vu, moi j'essaie de faire un os de dinosaure avec la pâte à modeler. Moi j'essaye de recoller le vase. Préhistoria, ça dit pas quelque chose? Mais si, Esmeralda nous a laissé un message. Ouais, les archéologues fouillent et trouvent la pierre. Ça veut dire qu'il y a sûrement une pierre précieuse. Fouillons! Vite, vite, fouillons! C'est une topaze. Je vais l'accrocher. Eh, regardez le jeu là-bas. Ah, il est chouette. Ouais. C'est des maquettes. Excusez-moi les filles, mais une pause s'impose. Non, non, les garçons. Je crois qu'on n'a pas vraiment le temps de faire des maquettes. Mais si, regarde, il y a tout ce qu'il faut. La colle, le pinceau, la peinture. Il y a même le livret pour les maquettes. Ouais. Oh, regarde, Laura, il y a un autre jouet là-bas. On y va. Et c'est quoi ça? Ça, c'est un clavier avec un bouton qui remplace la souris. On peut tout apprendre sur cet ordinateur. Bonjour, choisis un jeu. T'as vu, il y a 24 activités. Essaie et attrape le fantôme. Appuie sur la lettre A, U, V. Pas celui-là. Essayons encore. Ils avancent trop bien, trop vite. Qu'à cela ne tienne. Dans la forêt démoniaque, vous irez. Et là-bas, vous resterez. Mais où on est? J'en sais rien. Moi, j'ai peur. Tu sais où est-ce qu'on est? Camille? Non, je vais regarder dans l'ordinateur. Ouais. Vas-y, regarde, on sait jamais. Où est-ce qu'on est? Dans la forêt démoniaque. La forêt démoniaque? Restons calmes, d'accord? D'accord. On va chercher un peu partout, d'accord? D'accord. Allez, venez, allez, en groupe. Bon, bah, je laisse l'ordinateur ici. Oh, vous avez vu cette super voiture? Ouais. C'est une voiture à pédales. Elle est super bien. En plus, il y a même une antenne de téléphone, il y a un rétroviseur, un klaxon. T'as vu le pare-brise, comment ah ouais. Il est? Oh ouais, il est cool. Et il y a même un appel de phare. Eh, vous avez vu mon super tracteur? Oh, il est super génial ton tracteur, hein. Mais t'as oublié un truc, Renault fait le même en plus grand. C'est des roues tout terrain, tu te rends compte? Tu pourras aller partout. Il y a 7
les doigts, je crois. Hein. Ouais. Ouais. C'est bon. Voilà, c'est bon. Je fais un dernier coup de klaxon. Allez, venez. Jérémy, t'as vu les motos? Waouh! Oh là là, comment elles sont chouettes. T'as vu mon quadrandero? Il est super branché, non? Ouais, il est super classe. Question de sécurité. Le Père Noël, il a pensé à tout. Parce que tu vois, la chaîne, elle est en dessous. La romage risque pas de me coincer les doigts. Et t'as vu ma découverte alors? Waouh! Oh là là! Il y a un super frein à pied, regarde. L'accélérateur à la main. T'as du vent. Oh, elle est bien celle-là. 2 heures de batterie, tu te rends compte? Bon, quand vous aurez fini de streamer, vous nous appellerez. Ouais, on va se reposer là-bas. Oh, quel sale caractère, les filles. Moi, j'en ai assez de leur moto. Mais oui, c'est normal. C'est des jeux de garçons. C'est des jeux de garçons, ils aiment ça. Oh, regarde la super moto là-bas. Ouais, c'est une moto de police, cool. Nabo, il nous fait toujours un méchant coup. Ouais. C'est nul. Mais heureusement. Ah, les garçons. Les garçons. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est chouette. Ouais. Elle est grosse en plus. L'uniforme et là t'es un vrai policier. Les garçons! Les garçons! T'as vu le baby foot? C'est un baby foot aux couleurs du mondial. Oh, tu te rends compte? Vas-y, allez, on fait une partie. Vas-y. Allez, ça joue. Allez, allez. Oh, presque. Tiens, là, Jérémy, tu vas voir ce but. Oh. Ouais, but. Hop. Oh, la balle s'est transformée en pierre précieuse. Super. Ouais, ouais. Lily. Oh, Lily. Bienvenue, mesdemoiselles. Il reste 5 minutes. Vite, faut se dépêcher. Allez, où vous êtes? Sans les pierres que tu as autour du cou, votre mission tombe à l'eau. Vos amis ne peuvent rien contre moi. Je me concentre. Les filles, les filles. Regarde, c'est drôle. La pirate brille. Ah, qu'est-ce ouais que ça peut? C'est pas normal, ça. Un trou. Passe en premier. On va peut-être trouver les filles. Vas-y. Ouais. Ouh là là, j'ai peur. C'est étrange. Tu sais où est-ce qu'on est? T'as vu la porte? C'est... Attends, je vais y aller devant, d'accord? Et je vais l'ouvrir. D'accord. Je suis très attention, d'accord? On sait jamais. J'ai très peur. Moi aussi. Oh, les garçons, faites attention. Oh, bonjour, les garçons. Je ne pensais pas vous revoir si vite, hein. Mais dis-moi, quelle est cette pierre précieuse? C'est pour moi. Lancez-nous la pierre. Hop. La pierre. Mais tu la pierre. L'écrin. Père Noël. Rendez-moi la pierre. Le collier. Rendez-moi la pierre, Père Noël. Allez, donnez-moi la pierre, Père Noël. La pierre. La pierre précieuse, je la veux. Donnez-la-moi. Bravo, les enfants, on a réussi. Oh, Père Noël, on se connaît, on entend, faut pas sortir de là, soyez gentil. Allez, on met le bouchon. Non, pas le bouchon. Au revoir, pas le bouchon. Tu as été trop méchant d'abord. J'aime bien les enfants. Il est temps de quitter ce lieu maléfique. Vous avez raison, Père Noël. Hé, attendez-vous. Père Noël, t'inquiète pas, Pirouette. Tu es avec nous. Allez, les enfants. Prêts? Oui. Oui. C'était pour rire. Voilà les enfants, enfin de retour à la maison. Regardez les jouets. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez distribuer tout ça? Oui, je vais distribuer tout ça, tous ces cadeaux et bien d'autres encore. C'est vrai? Oui. Où vous les cachez? Pirouette, est-ce qu'on leur dit? S'il te plaît, Pirouette. Ah, ils l'ont bien mérité. Bien. Dans les centres Leclerc. Dans les centres Leclerc. Vous vous rendez compte? Oui. Oh là là. Alors maintenant, je compte sur vous pour ne pas dévoiler l'existence des pierres précieuses. Promis juré, promis juré, Père Noël. Mon petit doigt me dit que cette année, vous serez très gâtés. Ouais. Allez, vous m'aidez à partir, les enfants. Ouais. Allez. Et surtout, ne vous inquiétez pas, les enfants. Vos cadeaux vous attendent à la maison. Au revoir, les enfants, à bientôt. Merci. Joyeux Noël. Oh,
Allez, Pirouette, on y va.